oui, c'est vrai que c'était un peu inattendu parce que notre objectif c'était vraiment de finir à un classement, pas forcément le premier classement du féminin. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir et les temps sont tombés. Droite 140, fini bras 20 mètres sur gauche 90, mi-cours sur gauche. On remporte le titre ici à la maison et c'est formidable. Beaucoup d'émotions sincèrement, tout au long du week-end sur ces routes. Il reste 4 jolis morceaux et on a hâte la délivrance. Gauche 120, bref. On est champion de France et on va pouvoir profiter maintenant à fond parce que la pression toute l'année elle était là. Troisième, on est super content. On m'aurait dit ça il y a 2 jours. J'aurais pas cru, évidemment, avec le plateau qu'il y avait. Espérer se battre pour une 5e, 6e place au départ de la course. Donc finalement, pouvoir être sur le podium et fêter le titre avec toute l'équipe, ce serait une belle récompense. Donc on va essayer de s'appliquer à faire ça. On a quand même un peu d'avance, même si 25 secondes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc voilà, après c'est encore pas terminé. Ça a été encore une édition difficile, comme toujours ici, on a pris beaucoup de plaisir, la voiture a super bien marché,
L'équipe a fait un super travail, nous ouvreurs aussi. Enfin, c'est super, hein. Encore une fois, une victoire. Une nouvelle étoile, alors à l'ESF, ça s'arrête à 3, mais bon, faut bien vendre un peu des médailles, donc on va faire une quatrième. Ah, c'est génial, on a évidemment une grosse pensée pour nos copains qui se sont blessés ce week-end là. On a plutôt des nouvelles rassurantes, donc c'est vraiment le côté positif de la course. Pour nous, un quatrième titre, toute l'équipe qui a vraiment super bien bossé cette année avec énormément de courses. Et un grand merci à tout le monde qui est acteur et qui nous permet d'être là, quoi.